Salut, salut les amis, salut, ça va, comment vous allez? Oh, il fait tellement chaud, vous n'avez pas idée, à Abidjan même ce n'est pas chaud comme ça, il fait tellement chaud. On va un peu parler aujourd'hui d'un sujet, je serai vraiment très court, hein, rapide que possible, bref que possible. Sur le chemin de ta réussite, beaucoup deviendront tes ennemis. Hey, c'est chaud, hein? Regardez le soleil ici à Austin, Texas. C'est chaud, mes amis. Sur le chemin, c'est une caméra de sécurité, ouais. Sur le chemin de ta réussite, beaucoup deviendront tes ennemis. T'es quoi? Tes ennemis. Le français, ça m'a échappé. Hein? Ennemis, mes amis, français c'est pas facile. qui parle 5 langues comme moi? Moi je parle plus de 5 langues, mes amis. Aujourd'hui j'étais parti parler espagnol. J'étais parti faire l'assurance de ma voiture, je parlais espagnol. Donc ça m'a aussi aidé. Les amis, sur le chemin de la réussite, beaucoup de gens deviendront tes ennemis. Tes ennemis. Mes amis, comment j'arrive pas à prononcer les mots là? Ennemis. Tes ennemis, ok. Alors, c'est ça la vie. Il y aura même les gens que tu causais bien avec et ouais, elle était ta voisine, hein? elle était ton voisin, c'était vraiment ton meilleur ami. Vous causez bien, vous étiez là ensemble. Mais le jour que tu as décidé de partir aux États-Unis, le jour que tu as décidé d'arrêter les amitiés qui ne payent, qui ne font rien. Les amitiés, vous êtes seulement là seulement pour parler d'Algérie, Cameroun. Les amitiés, vous êtes là seulement pour parler seulement des matchs, des ligues des champions. Ça ne paye rien, ça ne vous rend personne. Ça ne fait rien dans ta vie, ça ne change rien. Seulement aller là jouer les ballons, parler les matins jusqu'à le soir, retourner. Le jour que tu vas décider de changer ta vie, de devenir professionnel, beaucoup de gens deviendront tes ennemis. Que faire? Tu feras rien. Mais toi tu me dis, oh non, tu es mon oncle, si tu es vraiment mon oncle, donne-moi l'extrait bancaire. Sois mon sponsor pour aller aux États-Unis, sois mon sponsor pour aller faire les études. Soit même mon sponsor, c'est pour l'interview même. S'il faut même dire comme ça même. Même si je vais changer, mais soit même pour l'interview même. Mais je ne vous encourage pas d'avoir un sponsor à l'interview. Et quand vous venez ici, d'autres sponsors, non, là, je ne vous encourage pas. Je ne peux pas aussi dire ça ici. Parce que je ne connais pas qui est en train de m'écouter. Mais c'est moi, je vous dis, si tu as un sponsor, qu'il soit vraiment réellement ton sponsor même. Il va t'aider tout ça. Même si autres personnes vont venir pour commencer à t'aider, mais qu'il soit un sponsor qui va t'aider maintenant pour même venir faire les études ici. Alors, je disais, beaucoup de gens deviendront des ennemis. C'est la vie, c'est logique. Ah, j'étais bien avec la personne là. Depuis que tu as décidé de quitter cette église là, parce que ça ne fout rien. Moi, je me dis, je ne peux pas partir dans une église où des ans, je ne change pas, je suis la même personne. Je suis la même personne, je pars dans l'église, je suis la même personne. Quelle est la mission de l'église dans la vie d'un chrétien? Quelle est la mission de paroisse, si c'est l'église catholique, dans la vie des gens? Quelle est la mission de la famille, les réunions des familles là que vous partez? Ça aide à quoi? Ça aide déjà à quoi? Parce que d'autres familles, chaque fin du mois, il y a une réunion des familles. Ça aide à quoi? L'année va finir, bientôt l'année va finir. Vos histoires là, ça aide, vos associations, ça aide à quoi? Pour le développement de ta vie. Ça aide à quoi? Il faut arrêter. À un moment dans la vie, il faut dire non. J'ai tout donné. Il faut maintenant arrêter. Faire d'autres choses. Il y a un jour, j'avais un travail, je me dis non, je dois quitter ce travail. Mais je n'avais pas le courage. Un jour, le monsieur est venu, mais chassé du travail, moi je ne plie ici. Je dis, mais si je sors. Mais c'était ma délivrance. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'attendaient à l'extérieur. Mes amis, combien de fois il y a beaucoup de bonnes choses qui nous attendent dès que tu sors du pays? Non, il ne faut pas partir là-bas. Là-bas, on maltraite les Noirs. Là-bas, il ne faut pas bien. Là-bas, ce n'est pas bien. Tout ça, là-bas, tu vas souffrir. Tu n'auras pas quelqu'un jaloux. Jaloux.
jalouse. Pourquoi décourager quelqu'un qui veut voyager? Il y a aussi les fiancés même qui découragent. Non, il ne faut pas partir là-bas, reste ici, papa. Je suis ici. Ça fait des années, tu ne m'as même pas marié. Tu ne parles même pas à ma famille pour dire que toi, tu es ma fiancée ou bien mon fiancé. Tu ne parles pas informer à la famille. On est là, ça fait déjà 5 ans. Mais tu ne veux pas que moi je voie, tu veux que moi je reste ici. Je reste ici pour faire quoi avec toi? Pour seulement qu'on consomme seulement, consommer après avoir consommé, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi après? Beaucoup deviendront. Même ta fiancée, ton fiancé. Non, chérie, tu vois, je suis ici, ça fait 2 ans. J'ai quitté Yaoundé pour Libreville. Mais les choses ne marchent pas. Ça fait 2 ans, je ne peux pas rester comme ça. Je ne gagne pas assez de l'argent. Ma vie est toujours... Je suis toujours la même personne. Non, 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 non. Oh non, si tu n'es pas là-bas, l'amour est fini. Oui, c'est fini même. Toi, tu veux que je meure ici? Tu veux que je meure ici? Là, les gens qui vont dire, ne pars pas là-bas, tu vas souffrir. Ne voyage pas, tu vas faire ceci. Beaucoup de gens aiment décourager les autres. Aime décourager, ne fais pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas bon pour toi. Si c'est toi, tu n'es pas parti. Ce n'est pas bon parce que ce n'est pas toi qui veux partir. On en reste ici, tout ça. Même les gens qui ont découragé les autres. Je sais une histoire. J'ai même oublié même l'histoire. Il y a les gens qui découragent, vous n'avez pas aidé. Nous ne parlons pas là-bas, mais après, c'est son enfant qui parle. Même dans l'amour, il y a beaucoup de gens qui découragent. Ce n'est pas qu'ils découragent parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'il t'aime, non. Il veut que tu puisses... Tu rates un peu l'occasion pour que l'autre puisse avoir. Donc, c'est ça un peu. Si tu as envie de voyager, il faut causer avec les gens qui sont des spécialistes aux histoires de voyage. Quand tu viens ici, quand tu veux causer tes histoires, il faut causer avec des avocats, des gens qui ont de l'expérience. Le monde est mauvais, le monde est méchant. Méchant, méchant. Pourquoi tu peux tromper ton ami? Pourquoi tu peux mentir ton ami? Le monde est méchant. Hein? Le monde est méchant, mes amis. Il y a même des gens qui sont méchants, même plus que même le monde. Tu es abonné dans une chaîne, tu n'es même pas abonné. Tu regardes toutes mes vidéos chaque jour, mais tu n'es même pas abonné. Ah, madame, tu es méchante. Hein? Pourtant, moi, je t'aime beaucoup, je suis là. Je fais les vidéos pour vous. Mais toi, tu es là, même pas s'abonner. Ça va, j'en dis qu'on ne vient pas, tu ne veux pas t'abonner. Oui, ok. Même like. Tu as regardé ma vidéo pendant 30 secondes. Même like. Tu vas pas liker. Tu likes pas les vidéos. Pourquoi tu likes pas les vidéos? Même dit que non, je suis ici encore du voir. J'aime tes vidéos. Merci, bonne journée, courage. Ça me fera du bien, non? Facebook aussi parle. Hein? Et YouTube aussi. Il me dit 70% des gens qui les regardent chaque jour sont pas abonnés. Et ne mets pas les likes. Comme cette vidéo ici. Vous allez voir, c'est ma 10 personnes. Ce sont les mêmes personnes qui commentent chaque jour. J'ai même pitié des mêmes. C'est pour cela. Hein? Attendez, tous les téléphones, là, c'est seulement pour les gens qui commentent, même pour les gens qui likent. Si tu es abonné sur ma chaîne, le 30 juin 2022, il y aura des primes que je vais primer mes abonnés. Quoi. Je vais donner quelques téléphones, des cadeaux pour les gens qui sont abonnés sur ma chaîne. Donc, il y aura les téléphones pour les hommes, tout ça. Si tu es femme, il faut vraiment s'abonner. Je verrai qu'est-ce que je donnerai pour les hommes, les femmes. Donc, tu auras beaucoup des ennemis. Même si quand tu viendras ici aux États-Unis, tu seras avec les gens, non? Ils vont t'aider. Mais le jour que tu vas prendre la décision de changer ta vie, d'aller là-bas au soleil, à la lune, peut-être aujourd'hui tu ne me comprends pas ce que moi je dis. Mais un jour, tu vas comprendre. Tu vois comment tu auras même le problème avec même ta propre famille. Parce que tu voulais progresser, aller de l'avant. Ce n'est pas toutes les familles. Hein? Tu vois le problème même avec tes amis fidèles même. Parce que tu voulais progresser. Tu vois le problème avec beaucoup de gens parce que tu veux aller de l'avant. Dieu merci, depuis que je suis ici aux États-Unis, Dieu m'a donné de bonnes personnes. J'habite avec de bonnes personnes. Les gens qui aiment Dieu, les gens qui croient en Dieu. Vraiment, je suis vraiment fier pour ça. Vraiment, Dieu m'a donné de bonnes personnes. J'habite toujours avec des... Je n'ai jamais habité avec les mauvaises personnes. Avec des bonnes personnes. Dieu merci. Mais ce n'était pas comme ça auparavant. Ce n'était pas comme ça auparavant. Mais Dieu m'a aidé. Là où je pars ici, je pars coiffer les cheveux. Je vais tenter si ils vont me coiffer les cheveux. Ici, c'est... Tu vois?
Ce n'est pas ici, ici ce n'est pas cher, ici c'est 20 dollars comme ça. Là-bas c'est 35 dollars, je dépense beaucoup d'argent, donc je vais un peu économiser. Parce que 15 dollars, parce que je coupe, je fais deux fois par mois. C'est-à-dire que si je coupe ici 20 dollars, je vais économiser 30 dollars par mois. 30 dollars par mois, 300 dollars par année, 350 dollars par année que je vais économiser si je coupe les cheveux ici. Donc je vais économiser. Je vais économiser un peu, je vais venir couper les cheveux. S'ils n'ont pas les trucs pour me coiffer, s'il n'y a pas de problème, je vais coiffer dans un autre.